Salut les loulous, ici Gamino pour le troisième épisode du Roi Lion sur Mega Drive pour Ivasam Studio. La dernière fois, on avait eu mal au gnou. Exactement, ah d'accord, ça commence très bien. Donc oui, on avait galéré pas mal avec les gnous. Et apparemment, je vais pas parler beaucoup, enfin, je vais pas m'arrêter pour parler, je vais parler en jouant, ce qui va être plus compliqué que d'habitude. Donc pour cet épisode, j'espère qu'on va pas trop ramer comme d'habitude. Ça me ferait plaisir. Concrètement, bon voilà. Disons que passer 3 heures sur un niveau. Voilà quoi. I monte. Il y a un caillou. Monte T. Voilà. Attention. Le rocher. Bon alors, comme je suis quelqu'un d'honnête, je vais vous révéler que c'est un peu la deuxième fois que je fais ce niveau. Parce que j'ai foiré le record du premier. Du coup, je sais à peu près où il faut aller. Genre là, par exemple, je sais qu'il faut y sauter et s'accrocher. Et que je n'ai pas réussi. Et comme on ne cheat pas, zut. Donc comme on va cheater, mais dans pas longtemps, mais pas maintenant. On ne... Ah bordel, mais c'est pas possible. Je vais encore mourir en boucle. Oh là, qu'est-ce qui m'a pris de faire ce jeu? Voyons. Ça par contre, c'était un peu déloyal. Je voudrais pas... Première connerie. Aïe. On va essayer de pas se louper. On s'est loupé. On va essayer de pas se louper. Bon, le respect des hitbox, en fait, je sais pas vraiment si c'est vraiment parce que je suis nul. Je sais pas si c'est parce que je suis vraiment mauvais, ou si est-ce que vraiment les hitbox sont vraiment mal. Par exemple, là je suis dessus, et je... Bon, par contre, évidemment... Hop. On fait la petite roulade. On a eu chaud. Là, on va essayer de voir. On va faire un ralenti. Ah, et là, j'ai réussi. Wouhou! Alors là, par contre, je ne connais pas. On va éviter les ronces, hein, bien sûr. Oula. D'accord. Vite, la quick save. On est des gros cheaters. Oh oui, je cheat tellement et j'en suis fier. Hop. Aïe. Vite, la sauvegarde. Ah, le checkpoint. Ah, le checkpoint. Je pensais qu'on en aurait pas dans ce level là, parce que franchement, sans vouloir être médisant, bon, l'important c'est de... Il y a le checkpoint. On fait la petite save au cas où. Alors je parie évidemment que là, si je tombe, je suis mort. Voilà. Évidemment, bien entendu, sinon c'est pas drôle. Ça, on le rush. Bonjour. Je vais faire un ralenti de chaque fois où je loupe une plateforme. Et à la fin, on va compter combien de fois est-ce que normalement j'aurais dû l'attraper. Je veux dire, si la plateforme en était bien une, hein. À chaque fois, et à la fin, on va compter. Faut vraiment être vraiment au bord. Si on passe dessus,
bah on passe en dessous. Ceux-là, on s'en fiche. Voilà, faut vraiment être sur le bord. Alors que on voit qu'il s'accroche au milieu. Ça se voit là. Wow. Et la fin du level, wouhou! Si tu reviens, on te tuera. Et là, on sauvegarde. Enfin, quoi que c'est le début du niveau. Hakuna Matata! Ouh, ça va être drôle ça. Crève! Au moins, on se fait pas tuer par des grenouilles. Et ça, c'est cool. Alors... En tout cas, c'est bien, ça fait... Je te permets pas, moi. Oh, casse-toi, l'araignée, tu saoules. Donc, je sais plus ce que j'allais dire. Hâte, elle respawn. Alors, on a un niveau qui est bien verdoyant, ça, c'est joli. Ah mais non mais crève toi. Oh, cette araignée. Je crois que ça va être l'araignée de l'amour. Genre elle est amoureuse de moi. En fait elle veut me tuer tout ça parce que je suis avec Nala. Vas-y, rage. Par contre j'y suis déjà allé. Comment je t'ai esquivé? Oh. Comment j'ai esquivé le mur aussi apparemment. Par contre, du coup, je sais pas où est-ce qu'il faut aller. Là, j'y suis déjà allé. Là, je ne peux pas. Hop, là, on va sauter, basiquement. Là, il n'y a pas de plateforme. Là, il y a cette araignée de mort. Toi, tu meurs aussi. Ah. Oh, les araignées. Oh, mon Dieu. Ah, c'est bon, c'est là. Hop, une petite sauvegarde manuelle, parce que bon, voilà, les araignées, elles font... Disons que les araignées, c'est relativement compliqué, hein. Non. Non plus. Non plus. Hop, on se met sur le bord et pas au milieu, zut, je viens de notre milieu, évidemment. Toi tu meurs. Toi tu meurs, c'est parfait. Et là, on a encore des cascades. Bon, j'imagine qu'il y a un seul chemin possible. Et que c'est pas du pur... die and retry. Je sais pas comment est-ce qu'on dit exactement, mais... On va faire une quick save ici. Ça évitera de perdre des vies. Bon, on va dire que c'est là. On va dire que c'est pas là. On va dire qu'il y a 36 araignées qui me font peur. Donc ouais, là on se fait vraiment emmener au même endroit. Hein. Donc, c'est dommage qu'on puisse vraiment pas bouger la caméra. What? Oh, what? Oh non, faut pas faire ça quand même! Oh mon Dieu, ils sont hauts! Oh, faut remonter la cascade avec les rondins de bois! On prépare la quick save là. Hein. Heureusement, les papillons ne nous tuent pas.
Alors là, je sais vraiment pas comment faut le gérer. F5. Allez. Oh, il y a une araignée. What? C'est quoi? J'ai pas vu. C'est des bonus? C'était compliqué. On sait pas quand est-ce qu'on peut descendre. On peut pas bouger la caméra. Là, on peut descendre. Voilà, là il faut aller. On est 5. Ok, on va fuite. Alors ça a l'air d'être un boss. Hein. Non mais je suis tombé à la flotte. Ah, faut attendre qu'il remange. Bon écoutez, clairement là, ce boss, j'y arrive pas. Donc je le ferai en off pour l'épisode 4. Oui, celui-là c'est le troisième. Tant pis, on s'achève pas sur une victoire cette fois. Hein. Là, je vois pas comment il faut le battre. Je pense même que j'irai voir sur internet. Parce que quand on rugit, il s'en bat la race. Et donc en attendant, je vous dis à vendredi prochain pour le prochain épisode du Roi Lion sur Mega Drive.